pour trouver un nom de groupe, on a réfléchi pendant longtemps, on s'est pris la tête, mais au final, on a pris la décision de nommer le groupe d'une manière à décrire au mieux la musique qu'on faisait. Et on trouvait qu'un des éléments qui était commun dans tout notre track, c'était des variations de dynamique, des grosses montées de puissance dans le son et des accalmies par après. Et on a fait le parallélisme comme les marées, en fait, le mouvement des vagues. Et on s'est dit que c'était les vagues sonores, et donc Sonic Tides. Je compose les textes. Les textes, c'est moi qui te parle. C'est pas grave, hein. Je veux dire, j'ai pas envie de prendre hein, la main du truc. Mais bon, c'est vrai que de temps à autre, je me fais aider. N'est-il pas? On va dire qu'on écrit tous ensemble, en fait. On compose tout nous-mêmes et on sort que des compos. Et pour le moment. Bah, peut-être que. Le live, écoute, là, avec la période Covid, on n'en a pas eu autant qu'on voudrait, mais on attend que ça, en fait. On est présent sur Facebook, sur Instagram, sous le nom Sonic Tides. On est aussi sur tous les sites de distribution de musique, Spotify, Apple Music, sous le même nom, Sonic Tides. C'est J qui fait la promo, il est fort. Dans le futur proche, on va sortir le mois prochain un nouveau single. On se réjouit trop de dévoiler le clip qu'on a fait. On a travaillé avec un studio d'animation pour faire un nouveau clip totalement animé. On est super content de ce qu'on a fait avec eux. Et fin de l'été, on va sortir un nouvel EP. Un petit mot pour la fin? Ça pète. Ça pète. Ça pète. Attends, il manque la question sur le style de musique aussi. Style de musique, je dirais que c'est un mix de plusieurs influences de ce que chacun écoute, et donc au final ce serait un rock alternatif influencé par, avec des côtés psychédéliques, des côtés noise, des côtés stoner et un mélange de tout ça. Ouais. Ah ouais, non. T'es bien dit. Ouais, juste poli. Poli. Très juste. Parfait.